Je m'appelle Wing Chun. J'aime sourire et j'aime voir les gens sourire. On doit sourire sans montrer ses dents. Mais si on montre ses dents, on doit ouvrir les yeux. Wing Chun, tu es très belle. Oui, mais elle s'appelle Wing Chun et c'est la fille la plus joyeuse de toute la région. Vous pouvez me faire une petite faveur? Essayez de sourire, au moins à l'occasion. Je suis certaine que votre sourire est digne d'un séducteur. Mon père, Yim Yi, avait été disciple de Shaolin. Dès mon enfance, il m'a appris le kung-fu. C'est pourquoi j'ai longtemps cru que mon kung-fu était bon. Alors qu'en fait, son kung-fu était très moyen. Par contre, sa cuisine, elle, était délicieuse. Attention, il y en a un qui va se régaler. Voici ma cousine Ying Chun. Elle est bien éduquée, mais déteste oui, sourire. J'arrive. C'est pourquoi elle intrigue beaucoup de clients. Heureusement que le cousin Ko, notre ange gardien, est là. Hé, hey, Ying Chun, mon trésor, viens voir un peu par là. Tu es ravi. Oh là, monsieur. Alors, vous avez mangé deux tofu et un gâteau au soja. Ça fera 5 yuan. Faites attention, monsieur. Entendu. C'était très bon, délicieux. Monsieur, à bientôt. Wu Yin est menuisier. Il travaille bien pour pas très cher. Il a fait tout le mobilier du restaurant et son sourire aussi est pas mal. Son seul problème, c'est qu'il a perdu un pari contre moi. Il fallait broyer des grains et il refuse de l'admettre. C'est une petite ville tranquille. Tonton Poule est un grand enfant. Il a inventé plein de jeux pour jouer avec nous. Mais dans le coin, on adore surtout les paris. Certains parient que plutôt qu'admettre sa défaite, Wu Yin préférera prendre la fuite. D'autres parient pour savoir si je le poursuivrai, ou si nous nous battrons, ou sur l'issue de cet hypothétique combat. Tant que ça amuse les gens, ça me va. Mon oncle, tu devrais lui dire de ne pas trop s'attacher à Wu Yin. Je lui ai dit, mais ça ne sert à rien. Elle en fait jamais qu'à sa tête. Essaie d'être moins copain avec elle. Hein? Hé, Ko. Quoi? Tu trouves que je ne suis pas assez autoritaire? Toi, tu n'as aucune autorité, surtout sur elle. Jeune maître. Père! Mère! Tu lui diras d'aller à Liangshan, d'accord? Père! Mère! Je suis enfin arrivé. Oh! Regarde! Notre fils est là! Mon garçon, tu es arrivé! Père! Mère! Tu es enfin là! Oui? Prends donc un siège! Oui. Père! Mère! Ils sont très bons. Allez, Chou, assieds-toi. Oui. Alors, Chou, oui? Dis-nous, quels sont les endroits où tu es allé? Je suis passé à Suzhou, Hangzhou, Yangzhou, ainsi que Wuxi. Au fait, père, tu m'as bien dit que tu cherchais du tabac à priser. J'en ai trouvé un, hein? C'est une vraie merveille. J'aimerais que tu l'essaies. Père, regarde. Excellente qualité. Évidemment. J'ai été élevé dans une très bonne famille bourgeoise. Je ne peux pas avoir mauvais goût. Mon fils, tu n'as pensé qu'à lui, c'est ça? Mère, regarde un peu ce que je t'ai apporté. Il fallait pas. Voyons voir ça. Deux petites tasses en jade. Je sais que vous aimez le thé. Comme ça, vous pouvez le prendre ensemble. Chou, est-ce que tu te rappelles de
de l'oncle Yim, mon très vieil ami. Ah, tu m'en as parlé plusieurs fois. C'est un disciple de Shaolin, issu comme toi d'une famille lettrée. Et il a aussi une fille, Wing Chun. Elle est gentille et très bien éduquée. Vous me l'avez dit, ça aussi. Écoute, Chou, je te demande rarement de me rendre service. Mais quand tu iras à Sichuan pour tes affaires, tu passeras à Liangshan pour voir l'oncle Yim. Hé, mère, c'est une nouvelle coiffure que je vois. Tu es très observateur. C'est qu'apprécier une femme bien coiffée n'est pas donné à tous. Moi, je ne la regarde plus. Je l'ai admirée pendant des années, au point que sans lunettes, je ne vois plus rien. Ha! Maintenant, c'est de ma faute si tu portes ces ignobles binocles. C'est ta nouvelle théorie. Ça va pas? Tu veux te battre peut-être? Tu crois que j'ai peur? Hé, on reste calme. D'accord, mère? Père, que disais-tu au sujet de l'oncle Yim? Quand j'étais un jeune homme, il m'a sauvé la vie. C'est notre bienfaiteur à tous, à tous. C'est pourquoi, à la naissance de Wing Chun, nous avons décidé que quand nos enfants seraient grands, ils se marieraient. Depuis, l'oncle Yim nous écrit régulièrement. Nous savons donc que sa fille est en tout point ravissante et qu'elle a le sens des affaires. Mais mère, pourquoi me marierais-je avec elle? J'ignore à quoi elle ressemble. Fils, nous avons un portrait d'elle. Regarde. Père, tu crois que c'est une bonne idée? Écoute-nous, tu vas aller au mont Dalyang et faire connaissance avec ta fiancée. On ne discute pas. D'accord. Voici Leng Baoshu, le fiancé qui m'a été imposé. Un beau garçon, une bonne éducation et un vrai sens des affaires. Désolé. Mais il n'est pas assez viril à mon goût. Trop précieux pour un homme. D'ailleurs, lors de notre première rencontre, je crois qu'il m'a trouvé un peu trop viril. Pardon. Oh, oh, excusez-moi. Aïe. Qui a gagné? Tu as gagné! Il t'en a fallu du temps, mais là c'est trop tard. Wing Chun a gagné! Encore? Chou, alors là, comment pourrait-on imaginer qu'on croiserait une fille de ce genre ici? Elle est plus féroce qu'une lionne. Aucune pitié. Elle a même déchiré ses vêtements. Le pauvre homme qui un jour va se marier avec elle connaîtra les tourments de l'enfer. Et rien que d'y penser, j'en tremble. Ah, c'est ici. J'y vais. Oui. Baoshu est arrivé en ville. C'est toi, Baoshu. Oncle Yim, comment vous portez-vous? Pas de chichi, assieds-toi donc. Oui, avec plaisir. Oh, Peng, va prendre les cadeaux de mes parents et rapporte-les. J'y cours. Quelle joie. Oncle Yim, voilà du Daongbao, du mont Wuxi et du thé de Ceylan. J'espère que vous apprécierez. C'est un cadeau pour moi. Ying Chun, va ranger ça, s'il te plaît. Nous sommes amenés à être amis pour des générations. Baoshu, est-ce que tu as mangé? Je suis sûr que non. Essaye nos spécialités. Toute notre carte est cuisinée à base de tofu. Végétarien, je préférerais. Je serais honoré d'y goûter. Je lance ça. Ying Chun, sers donc Baoshu. Je vais chercher Wing Chun. Bien, Baoshu, c'est elle. On n'a plus de gifs, je dois aller en acheter. C'est elle? Bonjour, Wing Chun. Excusez-moi. Qui est ce garçon? Excusez-moi. Mais... Avance, avance, avance. Quel terrible drame. Je suis navré pour toi. Sacrée coïncidence. Si Confucius était ici, il dirait sans doute que la seule chose à faire, c'est de fuir tout de suite. Confucius a dit ça? Moi, je le dirais. Ce jeune homme que tu as vu là est le fils de ton oncle Leng. Wing Chun, écoute-moi. Il a fait toute la route depuis Guangdong pour venir te voir. Tu ferais bien de te changer et d'aller le rencontrer. Ko? Ouais. Où est Baoshu? Il est parti. Il est parti? Mm-hmm. Ying Chun, pourquoi est-il parti si vite? Mon oncle, il est rentré à l'hôtel à cause d'une diarrhée foudroyante. À
cause d'une diarrhée? Papa! Bon sang! Est-ce que ça ira? Il est où? Cousine, il est reparti. Pourquoi ça? Je crois que le jeune homme s'est enfui. Il m'a fallu une heure pour me préparer et il a osé s'en aller? Quelle ordure! Wing Chun! Arrête! Chou, arrête! Arrête! Je ne peux pas courir plus loin. Laisse-moi récupérer. Si elle nous tombe dessus, je n'aurai aucune excuse valable. En plus, c'était ton idée. Voilà où nous mènent tes conseils, idiot! On remballe nos affaires et on file tout de suite d'ici. Je t'ai conseillé de t'enfuir, mais pas de courir! Papa! Il est parti! Dis-moi dans quel hôtel il est et je te le ramènerai! Tais-toi! Tu n'as pas à le critiquer. Si tu n'avais pas traîné dans la cuisine pour me poser des questions, il serait encore là! C'est moi que tu blâmes? Tu défends un étranger et blâmes ta propre fille? Aujourd'hui, j'ai été humiliée comme je l'ai jamais été! Et c'est de ta faute! Tu oses me parler ainsi? Mon oncle, je vais aller lui parler. Papa? Je... Tout est entièrement de ma faute. J'ai tendance à ne jamais t'écouter. Et je te rends fou. Ta mère est morte trop tôt. Je t'ai effectivement élevé comme on élève un garçon. Et je t'ai appris à t'occuper du resto. Mais tu n'en es pas moins une fille pour autant. Aussi, je vais bientôt devoir te trouver un mari. Tu répètes ça tout le temps. Moi, j'aime cette vie. Ça me plaît d'être comme je suis. C'est à la majorité qu'on doit se marier. Trouver un bon mari est très important pour une fille. Moi, je me fiche du mariage. C'est moi qui prendrai soin de toi. Si quelqu'un t'embête, je m'occupe de lui. Hi Regarde-toi. Tu vas défendre personne. Je vais pas me cacher derrière toi. Leng Baoshu, que tu as vu tout à l'heure, n'est autre que ton fiancé. Cette décision a été prise quand ta mère était déjà mourante. Mon fiancé? Oui. J'aurais bien aimé que tu demandes mon avis. C'est mon mariage, je peux décider. Marie-toi avec lui, s'il te plaît tant. Merci pour votre visite. Ah, quel idiot! Tentez votre chance au Mahjong. J'en reviens toujours pas. Bonjour, messieurs. J'ai travaillé 4 mois sur cette foutue martingale. Je croyais que je ne courais pas le moindre risque. C'est vraiment pas mon jour de chance. L'entrée gratuite, comme vous voulez. Venez tenter votre chance. Pardonne-moi. À cause de moi, tu as perdu ton argent. Oh, pardonne-moi. Quand tu misais gros, je misais petit. Et quand tu misais petit, je misais gros. C'était ça ma martingale gagnante. J'ai joué. Bon, j'ai réfléchi à une nouvelle martingale. Demain, je retourne au casino avec et je suis sûr de gagner. Dis donc, tu t'es coupé. J'ai compris pourquoi j'ai perdu. Pardon, y a-t-il une pharmacie à proximité? Bien sûr. Une pharmacie? Tu oses te foutre de ma gueule? Tu vas voir. Où se trouve-t-elle? Hé hey! Monsieur Cheng, chaque fois que vous perdez, vous cherchez des histoires. Occupe-toi, tonton fou! Arrêtez! Il y a un client qui attend pour t'acheter du tofu. Je vais te laisser travailler. La prochaine fois, je goûterai ton tofu. Mademoiselle, il faut être capable de pardonner. Si vous avez le temps, entrez pour boire un thé. Asseyez-vous un instant. Je vais très bien. Je m'appelle Wing Chun. Pour votre pharmacie, prenez la prochaine à droite et continuez tout droit. Merci, Wing Chun. Mon père dit que je suis trop curieuse, mais là, ce n'était pas le cas. Le destin m'a fait rencontrer maître Heng Mui, et cette rencontre allait changer ma vie. Mère, tu as dû faire quelque chose de mal.
père. Hein? Je pense que tu exagères un peu. C'est ce qu'il s'est passé. Et je n'ai rien fait de mal. Personne ne pourrait la supporter. Vous n'arrêtiez pas de dire que cette Wing Chun était une fille adorable et très bien éduquée. Qu'elle était aussi bonne commerçante que femme d'intérieur. À vous entendre, elle était parfaite. Mais celle que j'ai vue était entièrement vêtue en homme. C'est une affreuse teigne, horrible et brutale. Elle adore frapper les gens. Si je me marie avec elle, nous nous battrons tout le temps, et un jour ou l'autre, elle finira par me tuer. Père, mère, vous ne souhaitez pas à votre fils une vie de souffrance auprès de ce monstre. Chou! Hé, Chou! Tu trouves qu'elle est violente? Elle est plus violente que moi. Elle est plus hargneuse. Elle n'est pas pire que ta mère. Oui, mais toi, tu es gentille. Toi, là, si t'as pas peur de moi et de ta mère, pourquoi tu aurais peur d'elle? Tu vas retourner avec nous au village de Lianchang. J'ai envie de rencontrer ma belle famille. Allez, on ne discute pas. D'accord. Je suis allée dans plusieurs temples et j'ai demandé ton horoscope. On m'a raconté que des bonnes choses. Vous êtes destinée à vivre en couple. Regarde. Je te mens pas. Si tu y crois autant que ça, pourquoi tu leur demandes pas pour Ko et toi? Ne me provoque pas, c'est de ton avenir qu'on parle. Sois sérieuse. Ferme les yeux. D'accord. Ça dit la même chose. C'est vrai? Je crois que pour toi, c'est le temps du changement. Tu vas devoir devenir une jeune femme douce et élégante. Hein? Je ressemble déjà à une jeune femme. Cousine, tu ressembles à une femme dans mes vêtements. Tu as raison. Dire que ce Bao Shu m'a snobé. Moi, je te le dis, si un jour je le recroise, je le réduis en bouillie. Ça n'avancera pas tes affaires. Apprends plutôt à t'asseoir et à sourire, comme une dame. Et tu devras aussi apprendre à marcher convenablement. On ne montre pas ses dents en souriant. Si tu montres tes dents, ouvre tes yeux. Lorsque tu t'assieds, assieds-toi en douceur sur le bord de ta chaise et surtout ne t'affale jamais. Je dois toujours m'asseoir en douceur sur le bord de la chaise. Mais attention à ne pas s'affaler sur... Pauvre cousine, tu sais que c'est pas gagné. Fais des petits pas. Tu dois marcher doucement. Fais des tout petits pas. Ma cousine, sale petite peste, je vais te corriger. Tu es une vilaine fille. J'ai rarement vu autant de monde au marché. Qu'est-ce que t'attends pour jouer? Cousine, tu vas faire un miracle. Tout le monde a misé. Vas-y, mon garçon. Allez, allez. C'est très convaincant. Regardez-le, Wu Yin est sorti. On dirait qu'il a vu un fantôme. Le tofu était excellent. Bonne journée, monsieur. Est-ce que c'est bien la même chose? C'est juste Wing Chun en femme. Hé! Oh, vous avez vu cette fille? Oh, c'est Wing Chun. Hey. Gao Fuk, pourquoi je te paie? Cette pure beauté vit ici et toi tu me dis rien? Non, je... Beauté, comment t'appelles-tu? Jeune maître, c'est la ravissante Yin Chun. Et voilà pour la carte.
Lanière de ton... Faites de la place, dégagez. Très appétissante. Du vent. Ko, occupe-toi de ce client. J'arrive. Il s'agit de Gao Xing, le jeune maître d'une riche famille. N'ayez jamais d'ennui avec lui, compris? Maître Gao, que voulez-vous manger? Wing Chun, on dit que le perdant d'un pari aurait été obligé de moudre du grain pour toi. Je suis prêt à faire le même pari. Ah oui, je veux bien relever ton défi. Tu me fais pas peur. Oh. Par contre, si tu venais à perdre ce défi, sache que tu devras travailler ici durant 3 mois. D'accord, mais si tu perds, tu viens avec moi pour que je t'épouse. Quant à ta cousine Ying Chun, elle pourra aussi venir. Wing Chun et Ying Chun, ça risque d'être excitant. D'accord, ma belle. Oh. Arrêtez. Je vais lui donner moi-même une leçon. Ne bouge pas. Reste là. Se bagarre. Mes noix, jeune maître. Vite, aidez le jeune maître à se relever. Doucement. Non. Que voulez-vous faire, jeune maître? J'ai mal, remets le combat plus tard. Notre jeune maître apprécie la beauté et le kung-fu de Wing Chun. Aussi la désire-t-il pour épouse. Wing Chun. Garde ton sang-froid. N'écoutant que son cœur, il s'est battu sans se préparer. Je sais. Dans 3 mois, nous reviendrons avec la dot et le palanquin nuptial. Notre jeune maître se battra contre elle. S'il gagne, Wing Chun devra l'épouser. Quoi ? Monsieur Gao, merci pour l'amour que vous portez à ma fille. J'accepte votre proposition. D'accord. Se battre pour avoir la femme, ça me plaît. Dans 3 mois, je reviendrai me battre. Dans l'immédiat, allons-nous-en. Allons-nous-en. Mais mon oncle, comment tu as pu promettre ça? C'est vrai, chef. Tu as accepté ça à la légère. Il faut savoir se plier. Wing Chun, je ne te laisserai pas te battre contre Gao Xing. On en reparle à l'intérieur. Wing Chun, dépêche-toi. Papa, tu n'es qu'un lâche. Tout ça, c'est à cause de toi. Madame l'abbesse, votre thé. Papa. Merci. Madame, c'est du thé de Ceylan. Madame l'abbesse, c'est une chance que vous nous ayez aidés. Sans vous, Wing Chun ne serait pas ici. Je ne suis pas d'accord. Monsieur Yim, le kung-fu que Wing Chun a utilisé aujourd'hui est celui de Shaolin. J'ai été disciple dans le temple de Shaolin. J'y ai passé quelques années pour apprendre le kung-fu. Madame, vous aussi, vous venez de Shaolin. Shaolin a connu un drame. Vous ne le saviez pas, Monsieur Yim. S'il vous plaît, racontez-moi tout ce que vous savez. Le gouvernement s'inquiétait de la popularité du temple de Shaolin. Le gouvernement soudoya un ancien disciple, ce qui lui permit d'attaquer le temple tant de l'extérieur que de l'intérieur. Le temple fut brûlé et de nombreux moines trouvèrent la mort. Baimei, Zishan, Fung Daotak, Miu Hin et moi-même parvinrent à prendre la fuite. Depuis, nous restons cachés en attendant d'agir.
J'ai pris ce déguisement et suis venu ici. Avec ça, ça devrait aller. Je dois y aller, docteur Chan. Merci beaucoup. Au revoir, madame Wong. Madame, excusez-moi. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous écoute. Docteur, c'est comme si mon corps brûlait. Je n'arrive plus à dormir. Ma vue et mon ouïe déclinent. Que me conseillez-vous? Une chose. J'ai une vieille recette familiale. Elle va diminuer la chaleur de votre corps. Votre esprit retrouvera ensuite sa sérénité. Je suis le docteur Chan. À qui ai-je l'honneur? Je suis Ngui. Oh, pardon, je ne vous avais pas reconnu. Des alentours étaient des étapes importantes sur les routes de la soie et du thé. C'est aussi une voie d'accès vers l'étranger. L'année dernière, je me suis installé ici, dans cette pharmacie. Je cherchais des gens de bonne volonté. Je n'imaginais pas trouver cette route secrète qui traverse la montagne. Elle mène sur l'autre versant, et c'est là que j'ai trouvé le temple, à l'écart de tout. Il est bien sûr à votre disposition. Madame, nous devons tout faire pour venger la mort de nos compagnons. Hélas, pour l'instant, on ne peut rien faire. Et je ne suis pas là pour ça. Monsieur Yim, nous sommes des Shaolin. J'apprécie beaucoup Wing Chun. J'aimerais lui enseigner un nouvel art martial. Avec son talent, si elle s'entraîne 3 mois, elle arrivera à battre Gao Xing. C'est merveilleux. Merci, madame l'abbesse. Merci infiniment. Merci. Merci infiniment. Voilà. Allez-y. Merci. Merci. Wing Chun, suis-moi. Oui. Par là. Maîtresse, c'est magnifique! La vie est splendide! J'aurais dû venir ici plus tôt! Bonne base grâce aux techniques Shaolin de ton père. Tu vas battre Gao Xing. Le seul souci, Wing Chun, c'est que les femmes ont moins de force que les hommes. Tu devras vaincre au plus vite. Cet art martial que j'ai inventé permet à la douceur de triompher de la force. Il se distingue par ses attaques à courte distance. Lorsque les lignes médianes des deux adversaires sont alignées, il faut être à courte distance pour frapper. Tout est dans la ligne médiane. En variant tes positions, tu devras protéger ta ligne médiane tout en attaquant celle de l'adversaire. En alternant mouvements vers l'avant et l'arrière, et en choisissant le bon moment, tu peux utiliser la force de ton adversaire contre lui. D'abord, le Sui Nim Tao. Le Sui Nim Tao est la technique de base. C'est grâce à elle qu'on peut contrôler sa force à courte distance. Le Nim Tao met aussi l'accent sur l'observation et la réflexion, pour connaître l'ensemble grâce à l'observation des détails. Il implique de rester calme, concentré, libre de toute pensée distrayante. Faire le pont revient à chercher les bras de l'adversaire. Le pont permet d'intercepter ses attaques.
l'objectif principal étant d'exploiter la force de l'adversaire à son avantage. Le bungso, ou bras en forme d'aile, doit être exécuté calmement. Vers le bas, le bungso permet de se défendre. La paume des mains doit être dans le même alignement que les bras. Les doigts jaillissants est une technique d'attaque. Le long pont, lui, permet d'éviter l'attaque ou de la détourner. Ces mouvements ne sont pas préétablis. Suivant les circonstances, tu dois les modifier. Tu dois répéter inlassablement ces mouvements. Dans le flux du combat, ils s'exprimeront automatiquement. Utiliser le flux implique de ne pas contrer directement un coup. On prend la force de l'adversaire, que l'on ajoute à la sienne, et on suit ce flux pour tirer ou pousser l'adversaire. En combat rapproché, tu n'as pas le temps de voir l'action. L'entraînement, la répétition des gestes, permet de s'en remettre à son instinct. Quand tu sens que ton adversaire n'oppose aucune résistance, attaque-le immédiatement. Défends-toi en attaquant. L'attaque est la meilleure façon de se défendre. Qu'est-ce que c'est? Un-un? Wa-ng. C'est Wang qui est écrit. Combien font 3 fois 7? 21? Ça fait 10. Maîtresse, vous plaisantez? Ça me rappelle une chose qu'a écrit Wai Chung sous les Ming. Il a dit qu'un homme doit être sage. Il disait que chaque chose doit être observée sous différents angles. C'est pourquoi il ne faut jamais cesser d'utiliser sa tête si on veut battre son adversaire. Le Shisao est la méthode d'entraînement à cette forme de boxe unique. On n'y trouve aucun mouvement prédéfini. Il a surtout pour but d'améliorer réflexes et sensations en situation de combat. Chacun de tes mouvements doit pousser l'adversaire à dévoiler ses faiblesses. Si une chance d'attaquer se présente, saisis-la. C'est pourquoi tu dois t'entraîner dur. Entraîne-toi pour accroître tes réflexes et stimuler ton instinct. C'est mieux de s'entraîner avec des partenaires différents si on veut pouvoir s'adapter à différentes situations. Un peu au lieu de faire l'idiote. Chaud devant. J'y vais. La sécurité, c'est sérieux. Oh wow. Passez une bonne journée. Tonton Poule, tu es. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Je connais de nouveaux mouvements. Des nouveaux mouvements? Il veut pas jouer avec moi. Oh, pitié, non. Doucement. J'ai plus l'âge de jouer avec toi. Hey, Wing Chun, je peux jouer avec toi? D'accord. Wing Chun. Hey. Papa. Ouais. Papa, viens, on va s'entraîner. D'accord. Mais fais gaffe à toi. C'est génial, hein? Tête de linotte. Je t'ai laissé gagner. Ouais. Je fais moins de manières que toi. Pas mauvais. Tu cuisines et prépares le thé à la perfection. Ton père doit être fier d'avoir une fille aussi dévouée. Fier, lui, sûrement pas. Il n'arrête pas de dire que je me comporte comme un garçon. Maîtresse, avez-vous une famille? Avant de devenir nonne, j'ai eu une fille. Mais elle est morte peu après sa naissance. Si elle était encore vivante, vous auriez le même âge. Maîtresse, alors considérez-moi comme votre propre fille. Vous avez fait de moi votre disciple et vous êtes comme une mère. Je veillerai sur vous toute ma vie. Je ne doute pas de ta dévotion. Mais j'ai l'habitude de vivre toute seule. Et pour tout te dire, ça me convient très bien. Mais ta gentillesse est très appréciable. Tu sais,
Ton papa se fait vieux. Trouve-toi un bon mari, ça le rassurera. Mon père veut à tout prix que je me marie avec Lung, mais il me déplaît. Pourquoi ça? Il me déplaît parce qu'il est déplaisant. Tu n'as aucune vraie raison. Tu fais un caprice. Vilaine fille. C'est quoi ce bazar? C'est qui? Merci. Merci. Merci beaucoup. Wing Chun, Wing Chun, Gao Xing est là. Wing Chun, il a amené le palanquin nuptial. Quelle arrogance celui-là. Hé, hey, cousine. Corrige ce fils mal élevé. Hein? Tu refuses toujours de prendre les paris. Arrête. J'ai envie de supporter Wing Chun, l'esprit libre. Hey, arrêtez. Arrêtez-vous tous. Viens. Écoutez-moi tous. Notre maître est venu aujourd'hui récupérer ses deux belles épouses. Il va voir. Wing Chun, Wing Chun. Garde ton sang-froid. Tu ne vas pas tomber dans son piège. Alors, chérie, notre palanquin nuptial a été tout spécialement préparé pour te ramener à la maison. C'est dommage. Je crains qu'il rentre à vide. Messieurs, dames, s'il vous plaît, votre attention. Je voudrais que vous soyez nos témoins. Ma fille, Wing Chun, va affronter ce cher monsieur Gao. Elle se mariera avec lui en cas de défaite. Par contre, si monsieur Gao vient à perdre, il devra travailler dans mon restaurant, et ce, durant 3 mois. Je rappelle aussi à tous que ce combat a tout d'amical, alors ne vous blessez pas. Eh bien, c'est à vous de... Arrête ton blabla! Je suis pressé de t'allonger dans notre lit nuptial. Attends un peu. Je connais un moyen plus subtil de faire ça. C'est quoi un moyen subtil? Pourquoi tu as tracé ce cercle? On va se battre dans ce cercle. Celui qui sort du cercle a perdu. On a 3 attaques chacun. Chérie, dans ce minuscule cercle, je ne vois qu'une chose à faire. Mais ça me plaît. Alors, faisons place à l'action. Ce Gao Xing n'est qu'une crapule. Bien qu'il soit prêt à tout, tu devras deviner comment il compte t'attaquer, afin que tu puisses l'attaquer où il ne t'attend pas. Tu commandes. À l'extérieur, je commande. Et on ne négocie pas. À l'extérieur du cercle et moi à l'intérieur. Et surtout, qu'on ne négocie pas. Gare, à l'attaque! Ouais! Vous voulez encore vous battre? Arrêtez, venez m'aider! Aidez le maître à se relever! Ouais! Je suis content! Ma sœur, merci pour votre aide. Je n'oublierai jamais la bonté dont vous avez usé envers nous. Je n'ai pas fait grand-chose. Wing Chun a consenti à beaucoup d'efforts pour améliorer son kung-fu. Si tu continues à travailler ainsi, tu deviendras quelqu'un de remarquable. Votre enseignement fut précieux et je vous promets de continuer à travailler. Très bien. Le gouvernement veut arrêter les disciples de Shaolin. Je ne vais plus revenir, à moins que ce soit nécessaire. Je ne veux pas vous causer de tort. Si quelqu'un vous parle de moi,
Vous ne m'avez jamais vu. C'est une question de vie ou de mort, ne l'oubliez pas. J'ai découvert que 5 rebelles de Shaolin avaient échappé à l'attaque. Ils se cachent à Guangdong, Guilin, Sichuan et Yunnan. Mais ils ne causeront aucun problème. Hors de question de les laisser tranquilles. Tuez-les tous. Je vous donne 3 mois, pas plus, pour les éliminer. Entendu. Je sais que vous avez une relation avec Heng Mui. J'espère que vous resterez impartial. Si vous réussissez cette mission, vous serez promu. Si vous échouez, vous en connaissez les conséquences. Oui. Merci, Monseigneur. Soyez assuré que je ferai tout mon possible pour vous exprimer ma gratitude. As-tu été suivi? Non. Mes compagnons ont été victimes d'une embuscade en venant. Tout le monde est là. Maître Kam, j'en ai laissé un s'enfuir selon vos ordres. Mais j'ai entendu dire que des adeptes de Shaolin se cachent à Liangshan. Je peux y aller pour vérifier. Tu peux lancer l'enquête. Ne fais rien avant que j'arrive. À vos ordres. Courez ! Ne vous arrêtez pas ! Marie-toi avec moi, si t'as pas le choix. Tu vas voir ! Ce village est adorable. Regarde ce tissu, le vert. Il est magnifique, on reviendra. Laisse-moi tranquille. Ouais. Mon argent. Monsieur Gim, ça faisait bien longtemps. Quelle joie, monsieur Lung. Madame Lung. Monsieur Gim, comment se portent vos affaires? Bien, bien, merci. Mais assez de formules de politesse. Entrez dans mon humble restaurant. Entrez, oui, allez. Bon sang, bonsoir. Je dois être maudit. Pourquoi son fiancé a-t-il choisi ce moment pour venir? Hey, Win, qu'as-tu raconté à Wing Chun? J'ai perdu un paquet aujourd'hui. Monsieur Lung, que pensez-vous de Liangshan? Un peu petit, peut-être. C'est un peu petit, mais il y a tout ce dont on a besoin. Oui, c'est juste. Oncle Lung, tenez. Tante Lung. Oh, c'est gentil. C'est un encas au tofu que j'ai fait. J'espère qu'il vous plaira. Bien. Délicieux. C'est vrai que c'est très parfumé. Je vous remercie, Tante Lung. Mon fils, oui, tu ne goûtes pas? Pardon. Non, laissez, je vais me servir. Monsieur Lung, je ne suis pas sûre que vous apprécierez. Pourquoi? Avec du bon tofu, on fait de la bonne cuisine. Oh, laissez-moi, je vais me servir. La meilleure des cuisines ne peut être appréciée que par le meilleur des experts. C'est vrai.
L'ennui, c'est que les gens n'y connaissent souvent rien. Madame et Monsieur Lung, comme vous avez fait une longue route pour venir, et qu'on a encore du temps devant nous, je peux vous faire visiter le village. C'est une excellente idée. Allons-y. Tu manges encore, toi? Laisse ça et viens avec nous. Je compte sur toi pour parler avec elle. Oui, mère. La dernière fois, tu es parti en douce. Pourquoi? J'avais mes raisons. C'est parce que je suis trop viril, hein? Toi, t'es qu'un fils à sa maman. Tu ressembles même pas à un vrai homme. Tu n'es bon qu'à traîner avec tes parents en te trémoussant. Passer son temps à se battre dans la rue avec des gars, c'est ce qu'une fille doit faire? Pourquoi? C'est mal d'être courageuse? C'est mieux qu'être une chochotte comme toi. Tu sais quoi? J'adorerais te donner une petite leçon. Tu crois que je suis du genre à trembler devant quelques mouvements de kung-fu? Tu sais quoi? Il y a toujours quelqu'un de plus fort que toi. Hé! C'est pas une chochotte qui va me faire la morale. Je te conseille de modérer ton langage. Autrement quoi? Je... Un homme bien ne se bat pas contre une fille. Oh, il y a des fleurs sur ton mouchoir. C'est un mouchoir de fille, tu me le prêtes? Faut un canard, c'est tout. Chou! Arrêtez! Mais tu es fou! Qu'est-ce que tu as encore fait? Qu'est-ce qui vous a pris de vous battre? Chou, présente tes excuses à Wing Chun tout de suite! Wing Chun, viens ici. Excuse-toi auprès de Bao Chou. Père, c'est elle qui m'a provoqué. Il a dit que personne ne voudrait d'un garçon manqué. Mais c'est faux! Si je suis pas une fille, je suis un garçon manqué! Tu déformes mes propos. Preuve que je suis une fille? D'accord. Ne parlons plus de mariage. On ne va pas annuler ce mariage pour si peu, c'est ridicule. Madame Lung a raison, même si c'est déplaisant à entendre. Hein? Vous voulez que je sorte de mes gonds? Je suis simplement honnête, Monsieur Lung. Savez-vous que votre plus grande chance, c'est d'avoir une telle épouse? Ah, Monsieur Yim, vous êtes connaisseur. Attention à ce que tu dis! La situation se dégrade. Père, elle dit que je suis une chochotte et pas un homme. Toi, regarde-moi. Ça, c'est un homme. Demande à ta mère. C'est sûr, oui, à une époque. Madame Lung, toujours le mot pour rire. Et ça vous fait rire aux larmes? Vous trouvez le moyen de rire en dépit de l'éducation de votre fille? Quoi, ma fille? Parlons de l'éducation de votre fils. Ce n'est pas en levant la voix que vous aurez mère, raison. Vous refusez de voir l'évidence. Mère. C'est l'évidence, c'est que vous êtes... Ne bougez pas. Madame Lung. Tu ne veux pas de Wing Chun. Tu ne veux pas de mon fils. Oh, père. Dites, vous faites pas semblant. A-t-on le choix? C'est pour eux que nous faisons ça. Si c'est pour les gosses. Papa, vous comptez vous réconcilier ou pas? Soyez sincère, personne ne vous force. Hé! Tout est arrangé. Mais ils vont se faire mal. Arrêtez-les avant qu'ils ne se reprennent. Vous, arrêtez! Arrêtez de vous battre, père. Tout est arrangé, Monsieur Yim. Monsieur Yim, votre fameux kung-fu fait encore des merveilles. Et Monsieur Lung, vos coups de poing font extrêmement mal. On arrête tout. Tout le monde est content, hein? Oui, ça va. Je suis très heureux. Désolé. C'était une pichenette. Allons-y! Tous mes vœux de bonheur. Bao Chou, j'espère que cette nourriture te plaît, hein? Allez, trinquons tous les deux. C'est un honneur de pouvoir trinquer avec vous. D'accord. À la tienne. Ying Chou, à la tienne. Je vais trinquer pour elle. À la tienne. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureux. Je n'aurais jamais cru qu'ils se montreraient aussi raisonnables. Ils sont passés outre leur brouille. L'essentiel étant qu'aujourd'hui, ils soient sincères. Soyez toujours sincères. Dites ce que vous avez à dire. Et tout le monde sera content. Et à propos d'être content, on va tous les trois à l'opéra. Ce soir? Oui, et ensuite nous irons boire quelques verres. Quant à vous, les enfants, vous vous débrouillez tout seuls, d'accord? Parfait. Bon, allez, buvons à la santé de tous. Oui. À la vôtre. À la santé. Santé. Allons-y, allez. Fais attention, papa. Amusez-vous bien. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bon opéra.
Tu restes avec nous. Bois. J'ai bien trop bu. Je sers, laisse-moi. Comme tu veux. Vieux frère. Co, tu bois beaucoup trop. Mais non, à la vôtre. Regarde, Chou, tu as vu? Ce sont les 10 maximes pour s'entendre avec les gens. Tu m'en parles si souvent, comme quoi il faut toujours respecter les autres. Mademoiselle Wing Chun est quelqu'un de courageux. Elle sait comment prendre soin de toute sa famille et en plus elle est... sociable. Elle est sociable. Elle est très sociable. Ouais, c'est ça, sociable. C'est ça que je voulais dire. Ah là là, écoute-le maintenant. Même pas une excuse, c'est vraiment honteux. Il faut avoir confiance les uns envers les autres. C'est pourquoi quand tu dis que la dernière fois t'as eu la diarrhée, ben, je te crois. Diarrhée. Combien les femmes sont mesquines. Sois plus généreux et plus indulgent avec ton prochain. Allez, bien joué. Sois plus attentionné. J'espère que mon futur mari s'est bien remis de sa terrible diarrhée et qu'il n'aura aucune séquelle. Hein? Sois un peu plus clair. Qu'est-ce qui ne va pas? Que veux-tu savoir? J'ai envie de mieux te connaître. Toi, le fils à maman. Toi, la chochotte. Ne sois pas trop fière. Sois plus serviable. Hé, garçon manqué, arrête tes foutaises. Sois plus attentif. Si tu n'as plus rien à dire, autant se battre. Les mauvais amis sont de mauvaises influences. En d'autres mots, va-t'en. Non. Moi, peur de toi? Fils à sa maman. Attention, chou. Jean devant. Garçon manqué. Répète ça. La sécurité, c'est sérieux. Faut faire la place. Tout à l'heure, je me sentais plus en sécurité. Faut faire la place. C'est dangereux de se lever. Moi, je vais rester couché faire un grand dodo. Lâche-moi. Non, madame. Ah oui, monsieur. Si tu en as l'opportunité, essaie de toucher les mains de Wing Chun. Si elles sont douces et chaudes, c'est du premier choix. Si elles sont rugueuses, elle te portera la poisse. Tu ne pourras pas dire que tu l'ignorais. Elle est douce et chaude. Premier choix. Pourquoi est-ce que tu tiens ma main? Maintenant que je tiens ta main, je te quitterai plus jamais. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je t'aimerai éternellement. Oui. Je crois bien que l'amour est à l'œuvre.
Hé. Hé. Réveille-toi. Dis, que s'est-il passé hier soir? Pourquoi le serais-je? C'est à toi de me le dire. Aide! Cousine! Cousine! J'ai cru que quelqu'un t'attaquait. Que s'est-il passé hier soir? Qui m'a déshabillée hier soir? Tu étais ivre morte, Wing Chun. Bao Shu t'a mise au lit. Oh. Hé, hey, c'est moi qui me suis chargée de te déshabiller. J'ai un de ces mal à la tête, moi. Je retourne au lit. Ce n'est pas un garçon viril, mais c'est un homme bien. Monsieur Yin, merci de bien vouloir vous occuper de Bao Shu. Il sera traité comme un fils. Et oncle Leung, mon petit papa, va le surveiller comme le lait sur le feu. Tu seras sage. Écoute bien ce que dit l'oncle Yim. Oui, mère. Merci beaucoup. Faites bon voyage. Merci. On peut y aller. Le mannequin de bois, en plus de faire travailler ton endurance, ton jeu de jambes, la variété de tes mouvements, l'attaque et la défense, est surtout censé améliorer ta précision. Il remplacera avantageusement tes partenaires d'entraînement. Wing Chun? Wing Chun? Quelque chose te tracasse? Maîtresse? Quand on parle d'aimer quelqu'un éternellement, que veut-on dire? Vivre avec l'être aimé jusqu'à la fin de ses jours est la plus belle des choses. Alors en fait, le temps n'a pas pris sur l'amour. Il va pleuvoir. Maîtresse, vous êtes géniale. Comment avez-vous su qu'il pleuvrait? J'ai pendant quelques années vécu en forêt. Et je m'entraîne toujours en forêt. Je peux y observer différents types d'oiseaux. Chaque espèce a une façon de voler et de se comporter. Notre espèce, elle aussi, fait partie de la nature. L'homme et la nature se comprennent instinctivement. Oui! Je veux vivre avec toi éternellement! C'est impossible! Nous sommes de deux clans opposés! Quand je deviendrai le maître de mon clan, j'abrogerai ces lois. Tu comptes briser les tabous? Ça ne te fait pas peur? Peur? Je ne crains pas de m'opposer à mon propre clan. Pour toi, je pourrais affronter le monde entier! Durant ma jeunesse, je suis tombée amoureuse d'un homme. Il s'appelait Kam Ying. C'était un membre du clan du serpent. Mais, venant d'une famille pauvre, son influence était limitée. Et il ne devint jamais le chef de son clan. Quant à moi, j'appartenais au clan de la grue. À cette époque, nos clans s'affrontaient. Nos maîtres nous avaient bannis. Et j'étais enceinte. Des membres du clan du serpent avaient reçu l'ordre de nous traquer. Mes frères, s'il vous plaît, épargnez-la. Elle porte ma progéniture. Alors accompagne-nous. Allez. Kam Ying! Thank you.
pour un moine, tout dans le monde matériel n'est que vanité. Voir à travers ce voile d'illusion est difficile. Oublier le passé est plus difficile encore. Je peux finir par oublier les gens que j'ai connus. Mais pas mon kung-fu. Tu as mal? Elle s'est un peu froissée. Tu repartiras avec des plantes. Tu les feras cuire en soupe avec du porc. Elles améliorent la circulation sanguine et détendent les tendons. Mais ça provoque des diarrhées. Non, mais pas trop. Merci, maîtresse. Maîtresse, un homme bien, c'est quel genre de personne? Le temps seul peut mesurer le cœur d'un homme. Tu n'as pas passé assez de temps avec Chou. Tu le sauras plus tard. Mais un homme de bien doit être responsable et se battre pour la justice. Voici le cadeau de mon père pour les 60 ans du vôtre. J'espère qu'il lui plaira. Oh, merci, votre père est trop gentil. Papa est à la cour impériale. Quand il reviendra, je le lui remettrai. Gaofuk ! Oui ? Mets-le dans le bureau de mon père. Oui, jeune maître. Vous avez fait un long chemin pour venir nous voir. C'est très gentil de votre part. Vraiment exquis. Je vais donc vous bichonner. Ce soir, je vous emmène au bordel des petits nénés. Quelqu'un m'a conseillé un restaurant qui se trouve au village. Oh, vous devez parler du resto de tofu de Yim. Oh là, leur cuisine est délicieuse. Leur serveuse est réputée pour sa beauté. La reine du tofu. Son kung-fu vaut aussi le détour. Oh, bonjour, Ko. Wing Chun, bonjour. Fu Yim, pourquoi t'as l'air aussi content aujourd'hui? Ton fiancé prépare à manger pour nous tous. Un canard, c'est sa spécialité. C'est vrai? Je suis invitée? Bien sûr que oui. Oh, Wing Chun, ton père ne se sentait pas très bien tout à l'heure. Il est allé se reposer. Il se sent mal? Un peu. Je vais aller le voir vite fait. Tu peux porter ça au restaurant? Oui. Wing Chun, qu'est-ce que c'est? Ce sont des herbes qui sont bonnes pour le sang et les muscles. Attention à pas trop en mettre, ça cause des diarrhées. D'accord. Ko, qu'est-ce que c'est? Des herbes, elles sont bonnes pour un tas de trucs. Ça sent bon? Kung? Oui, mets-en un petit peu. Hey, elles sont excellentes, tu peux en mettre plus. Allez, hey, rajoute. Je rajoute. Et voilà! Je vous présente le canard cuit au sel. Régalez-vous. Ça a l'air délicieux. Écoutez-moi, mes amis. Ce canard est ma spécialité. Vous m'en direz des nouvelles. Alors, on pioche tous ensemble. Monsieur Lo, c'est ici. Qu'est-ce qui sent si bon? Du porc d'Ango. Il n'y a plus de nouilles. Servez-nous. Je peux en chercher en cuisine. C'est ça. D'accord. Va chercher. Je viens tout de suite. Bien le bonjour. Comment on se retrouve, hein? Serveur, je veux manger le même plat que ces gens. Je suis désolé, monsieur. Nous n'avons que du tofu à la carte. C'est pour les habitants du quartier que nous avons exceptionnellement préparé ce canard. D'accord, on se sert. Oh. 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 C'est de mon assiette. Voilà des manières. Monsieur Lo. Oui. Tenez, goûtez ça. Ko. Excellent. Excusez-moi, messieurs. Vous n'êtes pas les bienvenus ici, partez. Quoi? Reste là, déesse du tofu. Oh, t'as les mains douces. Oh, méfie-toi. Oh, lève tes sales pattes. Je vais te montrer comment vous... Ko. Oh, ça va, Ko? Vous n'avez pas le droit. J'aime me battre. Oh, Yichun. Ko! 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 Arrête! Pourquoi faites-vous ça? Votre brutalité est une insulte à la loi! Attrapez-le! Ah!
Gao Xing, arrêtez-vous. Nous en allons. T'as beaucoup de chance. Je passe l'éponge. On y va. Maître. Cette attitude, c'est un véritable scandale. Pardon, que s'est-il passé? Gao Xing est venu ici. Il s'en est pris à court. Wichun, ils ont molesté ta cousine. Je dois aller au petit coin. T'es dans un sale état. Va voir un docteur. Moi, je vais leur faire payer. Ne cherche pas les ennuis. Oublie ça. Ne compte pas dessus. Ils ont blessé Ko et molesté ma cousine. Et regardez le restaurant. Je peux pas laisser passer ça. Oh, non, 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 mon ventre. Je ne peux plus me retenir. Il faut que j'y aille. Où tu vas? Oh, mon pauvre. Ko. Cousine. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur ventre? Tout le monde a la diarrhée. Où est Bao Shu? Grâce à son kung-fu, il n'a rien. Il a empêché Gao Xing d'achever Ko. Il a aussi la diarrhée, il est sorti. Oh. Cousine. Oh, tout à l'heure. Monsieur, vous êtes à la recherche de quel genre de fille? Bonsoir. En vérité, mon ami, je suis ici en mission. Je dois attraper Heng Mui et les autres rebelles de Shaolin. Excellent. Tu sais quoi? Je vais t'aider à mener cette enquête. Mais d'abord, je compte m'occuper de toi. Ah, vilain coquin, je t'en vais. Maître Gao. Par ici, Maître Gao. Qu'est-ce que tu me veux? Je viens réclamer justice. À l'aide! Au secours! Descendre, je peux t'aider si tu veux. J'ai besoin d'aide. Il est là, on monte. Jeune maître.
Je sais qui c'était. C'est la Wing Chun des Tofu. Lang Baoshu, est-ce que je suis trop obstinée? Tu es obstinée par la justice, c'est dans ton caractère, comme l'émotivité. Est-ce que tu crois que c'est un tort? Bien sûr que non. Et si c'en est un, j'en suis responsable. Mais non, pourquoi? Si je ne t'empêche pas de te tromper, je suis responsable. Donc c'est ma faute. Quand bien même tu aurais tort, si tu ne sais pas que tu as tort, tu n'es pas responsable, c'est donc ma faute. Mais pourquoi me dis-tu tout ça? Parce que tu es ma femme. Ma femme n'aura jamais tort. Maintenant que je tiens ta main, je ne te quitterai plus. Et je t'aimerai éternellement. Est-ce une nonne qui a enseigné le kung-fu à Wing Chun? Et comment le saurais-je? Mais je sais qu'elle a changé de mouvement, et ce en quelques mois. Maître, ça me revient. J'ai vu une femme au village, elle m'a fait penser à une nonne. Et c'était il y a longtemps? Non, la dernière fois, quand on a combattu Wing Chun. Mais elle a disparu en un clin d'œil. C'est maintenant que tu le dis? C'est sans doute elle. Heng Mui. Elle se cache sûrement dans le village. Il faut fouiller tout le village. Nous devons l'attraper. Mais Lianchang est un immense village. On aura du mal à la trouver. Si nous trouvons le bon appât, nous la ferons sortir de son trou. Celui qui est le patron. Qu'il se montre! Je suis le propriétaire. Que se passe-t-il? C'est toi? Saisissez-le! Hey, ne nous énervons pas, d'accord? Pourquoi voulez-vous l'arrêter? Ah oui. Toi, là! Arrêtez! On m'a loué les mérites de votre gâteau au tofu. Pourrais-je y goûter? Ko, occupe-t'en.
extraordinaire. Je souhaiterais rencontrer la personne qui a préparé ceci. Monsieur, j'en suis l'auteur, Yim Yi. Vos compliments me vont droit au cœur. Avez-vous une recette secrète ? Pas du tout. J'improvise derrière mes fourneaux. La seule recette, c'est d'écouter son cœur. Une personne honnête. Bien. Une nonne du nom de Heng Mui vivrait-elle chez vous ? Oh non, pas de nonne ici. Connaîtriez-vous l'endroit où elle vit ? Pas du tout. Beaucoup de nonnes sont consommatrices de tofu. Peut-être est-elle passée sans que vous la remarquiez. Cherchez dans vos souvenirs. J'ai beau chercher, aucun souvenir de nonne. Puis on sert aussi de la viande ici. Et si c'est une bonne cliente, que ce soit une nonne ou pas, nous la servons sans problème. Une petite fille éloquente, c'est intéressant. À en juger ta posture, je dirais que tu pratiques le kung-fu. Oh, un petit peu. J'admire les femmes qui pratiquent le kung-fu. Je vous serai gré de garder les yeux grands ouverts. Si vous avez des nouvelles de cette nonne, venez nous informer. Vous en serez récompensé. Quel est celui d'entre vous qui s'en prenait à ces gens tout à l'heure ? Il s'agit de moi, monsieur. Tu es ici pour protéger les gens. Et toi, tu brutalises les faibles. Il n'y a rien que je déteste autant. J'attends de vos nouvelles. Kam est un combattant redoutable. Son kung-fu est impitoyable. S'il ne parvient pas à trouver Heng Mui, je vous assure d'ores et déjà qu'il insistera. Il doit sans doute avoir des comptes à rendre à ses maîtres. Je vais prévenir ma maîtresse. Non, il te surveille. Tu peux pas la rejoindre. Dans ce cas, je suggère que ce soit moi qui y aille. Tonton Poule, tu n'as plus l'âge de ces escapades. Il n'aurait aucun mal à te suivre. Oui, d'accord, mais ils ne me feront rien à cause de mon âge. Détrompe-toi. Ils te feront chèrement payer ton aide. Je sais. Tonton et moi, on les occupe, pendant que vous, vous passez ailleurs. On doit faire vite. Tu sais que c'est le seul moyen. Tonton ? Wing Chun, ne t'inquiète pas. J'ai le cœur pur, je ne risque rien. Je te connais depuis bébé, et je compte bien être là, le jour de ton mariage. Papa ? C'est à moi d'y aller. Je réussirai à passer. Mon oncle, n'ayez crainte. Je vais accompagner votre fille. Wing Chun, c'est à vous d'y aller. Suivez votre cœur, et la peur vous laissera tranquille. Eh bien, allez-y. Demi-tour. Hé, arrêtez! Venez! Allez par là, venez, suivez-moi! Tonton !
Quentin... Je savais pas que tu savais te battre. Je leur ai pas tout montré. Ils ont eu beaucoup de chance. Oh, Yin... Je t'ai demandé l'autre jour... ce que tu avais dit à Wing Chun et tu n'as jamais voulu me le dire. Qu'elle se marie avec moi. Si elle n'avait pas le choix. Je savais déjà que notre beau village était débordant d'amour. Maîtresse! Ma sœur! Excusez-moi, avez-vous vu Engmui? Elle a dit qu'elle retournait au village. Au village? Engmui. Êtes-vous Engmui? Je suis Engmui. Je m'appelle Kim Ying. Je vous propose de travailler pour l'empereur. Je ne suis qu'une nonne, je ne saurais d'aucune utilité. Monsieur, merci pour cette offre. Ce n'est rien. Vous pouvez aussi changer d'avis. J'ai laissé derrière moi les vanités de ce monde. Je suis la voix de Bouddha. Le sage sait se plier aux circonstances. Engmui, soumets-toi au gouvernement, et on oubliera le passé. Je te promets que tu seras bien traité. L'existence se partage en deux expériences. J'accepte la vie comme la mort. Shinmui, c'est parce qu'ils savent que nous avons été amis. Ils m'ont envoyé pour te convaincre. Je sais que tu me détestes. Mais, à l'époque, je n'ai pas eu le choix. Tout ce que je voulais, c'est vous sauver, toi et le bébé. Puis je suis retourné voir mon maître. Je croyais que tu avais compris pourquoi j'étais parti. Après ça, je t'ai cherché partout. Sans succès, hélas. Shinmui, penses-tu qu'on peut reprendre une ancienne vie? Je songe à abandonner tout ce que je possède. Vous désirez abandonner toute votre fortune? Je le ferai. Dès que j'aurai réglé une dernière chose. Laquelle? Aide-moi à trouver les 4 autres rebelles. Et je pourrai me libérer. Kim Ying, vous êtes méprisable. Si vous dites ces choses, c'est que vous n'êtes pas humain. Si mon nom doit entrer dans la postérité pour de mauvais motifs, j'accepte. Avec mépris la vie humaine, pour des promotions. Les femmes veulent de l'amour. Les hommes veulent du pouvoir. Et tu es sur ma route. Si Engmui arrive à s'enfuir, vous mourrez tous. Avant de tuer tout le monde, essaie d'abord de me tuer. Insolente. Ma sœur.
Wing Chun. Maîtresse. Oh. Wing Chun. Ça va? Dépêchons-nous. Allez. Oh. Bao Shu, va avec la maîtresse par là. Wing Chun. Dépêche-toi. Vite. Elle a bon cœur. Elle n'a aucune haine. Je crains que Kim Ying la tue. Wing Chun! Wing Chun! Bao Shu!
accrocher. Accroche-toi, Baoshu. Baoshu, réveille-toi. Réveille-toi. Tu peux pas mourir. Tu peux pas mourir. T'avais promis que... tu resterais avec moi. Éternellement. Sans un minimum de haine, tu n'allais pas gagner. Alors j'ai fait le mort pour t'énerver. T'es bête. Maîtresse, dites oui, venez vous installer avec nous à Foshan. Là-bas, je m'occuperai de vous. J'ai mon projet en tête. Baoshu, prends soin de Wing Chun. Oui, comptez sur moi. Ma sœur, si vous allez à Foshan, acceptez notre hospitalité et vous serez toujours bienvenue. Avec plaisir. Maîtresse, votre Kung Fu, comment s'appelle-t-il? Il a été fait pour toi. Appelons-le Wing Chun. Madame, monsieur, bonjour, on vous installe? Je peux prendre votre commande? Nous voudrions. Nous aimerions tout essayer. Ah, très bien, une formule complète. Un petit instant. Votre formule?
Ben, ça. Formule complète. Et voilà, je vous souhaite un bon appétit. Hé, hey, dis-toi, c'est mal le vol, tu vas voir. Vous voulez vous battre? Allons, allons, on va pas se battre, mettez tout ça sur notre addition. Tiens, je t'en donne un. Et moi? Merci, madame. Goûtez ça. Il y en aura pour tous. Tiens, c'est pour moi? Toi. Grand-mère, ton kung-fu, il s'appelle comment? C'était bien. Ça s'appelle le Wing Chun. C'est connu ou pas trop, le Wing Chun? Excellente question. Moi, je saurais me battre si je l'apprends. Dis, mon petit, quel est ton nom de famille? Je m'appelle Yip. Rockfeuille doublure. Oui, à une époque, c'est sûr. Ce gars est cinglé. Ah, j'en ai la moustache qui se décolle. J'aimerais t'y voir, toi, avec une moustache. Ma sœur. Je prendrai soin de vous. Ma sœur. Et allez à Myangshan. Mon fils. Aïe, il reste une épingle. C'est vrai. Il a beaucoup compté dans ma jeunesse. C'est quoi la suite? On va avoir du mal à tourner cette prise. Ok. Comme tu dis. Ah, excuse-moi. Ouh, Yabate! Oh, mon ami. Accessoiriste! Zut, elle veut pas s'éteindre. C'est une fille gentille, dévouée et douée dans les affaires. Attrapez-la! Punaise! Banchou! Oui? Je suis ton père. On l'a refait! Oh, ça va! Qu'est-ce qui te fracasse? Qu'est-ce qui te fracasse? Voilà. Sois plus indulgent. Sois moins... Coupé! Quoi? Les hommes de l'empereur sont au grillage? Village! Cela. C'est pas ma faute! On recommence! Coupé! Je n'ai pas peur. Oh non! Grand-mère, comment il s'appelle ton kung-fu? Ah. Je dis quoi?